Bonjour et bienvenue à PenseBête.tv. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'un sujet qui peut paraître banal, mais qui est tellement important, soit les races de chiens. Et pour ce faire, on a notre spécialiste en comportement canin et équin, Audrey Michaud-Ryan, qui est avec nous sur le plateau. Et Audrey, tu n'arrives pas seule ce matin. Non, j'ai Petit Boudin. Et Petit Boudin, tant qu'à parler de race, ouais. Parlons de la race de Petit Boudin. Donc, c'est un teckel à poil long, donc un teckel miniature. Et encore toute jeune, là. Oui, elle vient tout juste d'avoir son 1 an. Donc, c'est le chien d'une cliente, tu me mentionnais, hors d'onde, et ouais. Bon, on travaille encore avec elle. Là. Oui, oui, elle est encore en évolution. On s'est assuré qu'elle puisse être bien socialisée, qu'elle soit très confiante d'elle-même, et on continue de travailler ça. Quotidien. D'ailleurs, on parle de race de chien parce que oui, c'est une préoccupation, notamment lorsqu'on veut s'acheter un nouvel animal de compagnie. On le sait souvent, on a tendance à magasiner la race plutôt que magasiner l'individu, donc oui. Le chien en tant que tel. On va dire, ah, moi, je voudrais avoir un Golden parce que les Golden, c'est des chiens de famille, c'est des bons chiens. Ou je voudrais pas avoir telle race de chien, un berger allemand parce que c'est des chiens qui n'ont qu'un seul maître. On entend toutes sortes de rumeurs, toutes sortes d'histoires et c'est comme non fondé en même temps. Bien, c'est important de comprendre que, en fait, les races, elles ont des prédispositions, mais ça ne garantit jamais le caractère d'un individu. Même au sein d'une portée, on peut voir une énorme variabilité. Au niveau comportemental, physique et autres. Et c'est là qu'on va aller creuser un petit peu là-dessus au niveau des races. Quelles sont les prédispositions? Comment c'est important de bien choisir son éleveur, bien comprendre la génétique aussi au niveau du comportement des parents, etc. Donc, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants, mais pour le moment, on s'en va rejoindre notre passionné du jour. Aujourd'hui à PenseBête.tv, notre passionné du jour, Michel Gauvin, qui est éleveur, mais également médecin vétérinaire. Et bonjour Michel. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'élevage parce que vous êtes éleveur, vous faites l'élevage de bergers belges et également de Shetland. Et on a une magnifique portée de petits Shetland avec nous aujourd'hui à l'émission. Alors vraiment, je me gâte. J'aimerais qu'on parle élevage parce que ça peut sembler fort simple, le concept, c'est-à-dire on prend un mâle, une femelle, on les accouple et... voilà, les bébés et les bébés furent. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a quand même des précautions à prendre. Et oui, beaucoup, beaucoup. Je te dirais que quand tu travailles pour... Bon, on a nos petits bergers de Shetland dans les mains. Idéalement, il faut t'assurer que les parents soient sains. Il y a des tests de santé qui peuvent être faits. Qu'on parle de radiographie des hanches, radiographie des coudes, parce que cette petite race-là a, même si le pourcentage n'est pas élevé, il y a de la dysplasie. Maladie au niveau des yeux, donc il faut surveiller les yeux. La thyroïde, c'est une race qui est très affectée d'hypothyroïdisme. Il y a heureusement aussi maintenant des tests qui se développent, des tests d'ADN. Donc, on frotte la joue, comme dans les films policiers, là, on frotte la joue un petit Q-tip, puis on fait analyser, puis on peut savoir si les chiens sont porteurs ou pas. Ça, c'est une première étape. Ensuite, on s'assure de la qualité des reproducteurs. Est-ce qu'on a un chien qui respecte le standard de la race? Est-ce qu'on a un chien qui a une belle structure, donc qui peut travailler sans effort, qui peut prendre des marches, ses articulations sont saines, puis qui ne se blessera pas. Ensuite, le tempérament est très important. Le tempérament, mettons que ça peut être tiers génétique, tiers ce que l'éleveur fait dans les premières 8 semaines, puis le tiers ce que le propriétaire en fait. Va en faire par la suite. Donc, même le meilleur chien au monde peut mal virer s'il n'est pas stimulé comme il faut après. C'est important de savoir si les gens sont faits pour la race que tu leur... Oui. Il est beau, là. Mais ça bouge. Ça pour être beau, il est beau. Mais ça bouge, ça jappe, ça mord, ça fait des cacas, des pipis. Il faut être prêt à les éduquer, tu sais, puis leur apprendre, puis les sociabiliser et tout. Fait que c'est beaucoup. Donc, il faut parler avec les propriétaires. Êtes-vous prêt? C'est pas un chien que tu sors le samedi, dimanche. Il y a 7 jours dans la semaine, mais les chiens ont besoin d'exister pendant 7 jours. Vous travaillez, c'est correct, c'est normal, mais le soir, quand le soir arrive, bien, il faut à ce moment-là penser que lui, il n'a rien fait, puis il s'est ennuyé, il faut lui donner du temps, il faut jouer avec. Le chien va rentrer dans la cédule, mais il faut être prêt que quand on rentre un petit être de même dans la maison, il faut 7 jours par semaine, il a besoin d'énergie, il a besoin de défouler son énergie, il a besoin qu'on lui donne de la présence, qu'on lui donne du travail aussi. Ça peut être demander des assis, des couchers, des petits exercices, parce qu'il faut travailler le mental, c'était petit
petite bête-là. Et justement, on en parlait de travailler le mental et on voit, on a un beau parcours d'agilité qui est derrière nous parce que vous en faites de l'agilité avec, avec vos chiens. Dites-moi, qu'est-ce que ça apporte au chien de faire de l'agilité avec, avec son maître? Un chien a besoin, comme je disais, a besoin de se défouler, a besoin de courir, a besoin de faire de l'exercice, mais a aussi besoin de travailler son mental. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que travailler son mental avec son maître? Qu'on travaille un esprit d'équipe, qu'on travaille des détails, qu'on commence à se comprendre sur un petit move de côté, puis là, puis que le chien nous comprend. Donc, c'est un exercice que l'équipe fait ensemble, puis ça renforce le lien chien-maître. Et justement, on a le parcours derrière nous. Vous avez vos chiens qui sont ici. Alors, vous allez nous faire une petite démonstration de ce que ça peut apporter, là, cette espèce de synergie entre le maître et son animal. Avec plaisir. Bien, je vous présente ma famille de quatre pattes. Ici présent, Ikem à l'autre bout. On a Hope, sa fille. On a Mina, qui a fait de l'agilité. On a Prada, c'est la maman des bébés, donc elle surveille ses bébés. Venture à l'autre bout, qui est la maman des petits bébés qui sont dedans. Et Mali, qui a décidé qu'il boudait la caméra. Mali, ah, là voilà, c'est vous, Mali. Et les deux petits chiots, qui n'ont pas encore de nom, ça sort. Et Michel, dis-moi, c'est super impressionnant, l'agilité, de voir ça comme ça, mais combien de temps ça peut prendre avant d'arriver à ça? Ah, mon Dieu, c'est beaucoup, beaucoup d'années d'entraînement. Je crois qu'avec une saison d'entraînement, tu es prêt à présenter. Mais c'est sûr que tu montes ton chien, tu montes des subtilités, des différenciations de noms d'obstacles seulement et tout. Fait que c'est... Pour pousser un chien plus loin, c'est plus d'années. Mais pour avoir du plaisir, c'est déjà la première saison d'être beaucoup de plaisir avec ton chien. Merci. Ça me fait énormément plaisir. Très agréable de voir un peu l'évolution et le quotidien de nos passionnés. D'ailleurs, Audrey, aujourd'hui, on parle de race et c'est important avant de comprendre qu'il y a plusieurs sortes de races et qu'on peut les regrouper dans différentes catégories. Oui, bien tout d'abord, c'est nous qui avons créé les différents registres, qui avons créé aussi les différentes races. On les a ensuite catégorisées selon différents types de groupes. Si on regarde selon la FCI, donc la Fédération cynologique internationale, ils sont catégorisés selon 10 groupes. On peut généraliser, bon, il y a 3-4 groupes qui sont sur les chiens de chasse. On a les chiens de terrier, les chiens de berger, les bouviers. Donc, tous des types de... Tous des groupes différents, oui. Et probablement des types de chiens qui peuvent se ressembler d'une manière ou d'une autre. Pas nécessairement, parce qu'on a des catégories qui sont très vastes, des chiens comme les spitz, les chiens primitifs qui sont regroupés ensemble, donc qui vont passer de les chiens type chow-chow, à peut-être des pomminariens. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment très là. Différent, oui, dans un même groupe. Oui. Mais là, dis-moi, question qui peut sembler un peu nounou d'un prime abord, là, mais à quoi ça sert les races? À quoi ça sert une race de chien? C'est une bonne question. Mais il y a eu une suite de raisons pour lesquelles on a décidé de créer les races. Il y avait anciennement, dans l'époque peut-être un peu plus bourgeoise, on voulait des chiens qui ressemblaient à un tel physique. Il y a des chiens qui sont vraiment basés là-dessus. On peut penser, par exemple, aux dalmatiens, aux délivriers afghans qui... On est vraiment allé chercher un certain niveau d'esthétique chez les chiens d'aristocratie, là, un petit peu au travers. Lorsqu'on avait ce chien-là, ça voulait dire qu'on était quelqu'un. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Après ça, on est allé chercher aussi des fonctions d'utilité chez les chiens. Hein. On le connaît beaucoup pour les chiens de berger, par exemple, les border collies, les bergers belges, les bergers allemands. Donc, une suite de choses pour lesquelles on voulait que les chiens nous servent dans nos quotidiens, dans notre travail. Après, est-ce que aujourd'hui, c'est vraiment à ce quoi ils servent? Ça, c'est une autre. Pas nécessairement, parce que maintenant que les chiens sont plus domestiqués, c'est-à-dire qu'on peut avoir un chien de chasse qui est dans notre salon, qui devient oui, voilà. Un chien de salon. Là. Exactement.
Et là, dis-moi, les différentes races, est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut dire qu'une race est pure? Comment est-ce qu'on peut dire, parce qu'on l'entend là, oui. Moi, ben moi c'est un pur race, c'est un pur race, mon chien c'est un pur race. Oui, ou le pur race sans papier là, qu'on entend aussi très... Oui, j'ai juste pas demandé les papiers. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a aucun moyen de garantir qu'un chien est pur race si on n'a pas les papiers d'enregistrement. Et lorsqu'on parle de papiers, quels sont-ils ces fameux papiers? Ça veut dire quoi ces papiers-là? En fait, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est un peu comme l'arbre généalogique du chien. C'est-à-dire qu'on veut retracer sur plusieurs générations qui sont les parents, s'ils sont exempts de problèmes de santé, donc est-ce qu'ils ont la dysplasie, est-ce qu'ils sont fonctionnels, est-ce qu'ils ont fait quelque chose dans leur vie de reproducteur pour s'assurer qu'ils étaient sains. Donc, à ce niveau-là, théoriquement, on a des registres qui sont connus. On a le CQC, donc le Club Canin Canadien. On a la même version américaine qu'on appelle le American Kennel Club, AKC. Et il y a des registres un peu partout dans le monde qui gèrent les races et les reproducteurs et leur progéniture au sein d'un pays. Donc, à partir du moment où on est inscrit à ce fameux registre où notre chien a ses papiers, on peut le qualifier de pure race. Oui. Par contre, est-ce que c'est si simple que ça de dire oui, il est pur, il y a aucune modification dans la lignée de la génétique de cet animal? En fait, c'est de retracer en fait pourquoi on a des races. Parce que au final, ce qu'on veut créer chez les chiens, c'est avoir une certaine rigueur au niveau de l'aspect physique, mais aussi au niveau de l'aspect comportemental. Donc, on veut se dire, généralement, les Border Collies, ce seraient des types de chiens qui ont des prédispositions, par exemple, à garder les moutons. Ils sont habituellement de telle taille. Donc, on veut leur donner une certaine rigueur. Et pour ça, il faut qu'ils répondent à certains standards. C'est aussi une belle manière d'éliminer les problématiques de santé. Parce que pour faire ça, il faut s'assurer que les tests de santé sont faits, qu'on va voir un certain truc de choses. Et l'aspect physique chez un chien ne va jamais garantir qu'il est un chien de race pure. Et là, tu nous amenais sur le comportement parce que oui, on peut prédisposer avec une certaine race. Par contre, ce ne sont pas tous les Border Collies qui vont être capables de garder des moutons. En effet. Et ça, c'est des tests d'instinct. Ça revient à parler un petit peu des patrons moteurs de prédation. Donc, j'ai des très forts doutes que quand on créait les races il y a une centaine d'années, là, puis qu'on jouait avec la génétique des chiens, qu'on savait exactement ce qu'on faisait. Par contre, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on va chercher des prédispositions génétiques, donc des choses qui se donnent de géniteurs. Par exemple, on va aller chercher un patron moteur de fixé chez le chien, qui est plus grand, par exemple chez les Border Collies, chez les chiens rapporteurs, comme le Retriever, qui rapporte les choses. On va aller chercher un petit peu plus d'instinct de chasse, qu'on appelle. Donc, c'est de comprendre que oui, on peut être prédisposé à, mais la race de notre chien ne garantit pas un tel type de comportement, ne garantit pas nécessairement qu'il va être bon avec les enfants ou qu'il va être doux, qu'il va être un bon chasseur. À partir de ce moment-là, chaque individu doit être pris séparément. Oui, là. Mais en fait, c'est que ça n'explique pas, en fait, est-ce que ça veut dire que tous les Golden n'ont jamais peur? Est-ce que ça veut dire que tous les Golden sont toujours calmes? T'sais, c'est parce qu'au final, les individus ont des émotions. Et on ne pourra jamais dire, toutes les filles avec les cheveux blonds, eux, ne rient jamais. Parce qu'au final, les individus vont vivre selon un contexte, vont avoir une certaine forme d'apprentissage, un maître, un environnement. Et tout ça va jouer sur leur... Leur tempérament, là. En effet. Et de là, l'importance, probablement, Audrey, de bien choisir son éleveur. Parce qu'un éleveur, du moins, ce que j'en perçois, une des grandes parties de ses responsabilités, c'est de connaître les jeunes chiots qu'il a devant lui et de connaître suffisamment le tempérament de ces animaux-là pour être capable de les identifier vers une famille adéquate. Oui, et encore une fois, même à l'âge très jeune, les chiots vont changer beaucoup. On parle beaucoup des tests de Campbell, puis une série de tests pour identifier le comportement chez le chiot. C'est très mitigé au sein du domaine parce qu'il y a tellement place au changement. Et là, pourquoi choisir un éleveur, justement? Pourquoi aller vers un éleveur lorsqu'on veut s'acheter un chien? De race, notamment. je pense que le facteur le plus important, c'est pour prévenir l'abandon des animaux. Parce que les gens qui sont passionnés, les éleveurs, ne font jamais ça pour l'argent parce que ça coûte des frais faramineux de faire importer de la semence d'Europe pour garder une variété
génétique. Donc, c'est toutes des choses qui, au final, on ne fait pas d'argent là, avec une ou deux portées par année qu'on produit des chiens, qu'on vend en compétition, qu'on rend nos chiens utiles. Mais ces éleveurs-là sont tellement passionnés que si jamais ils les placent dans une famille, un, ces chiens-là ne pourront jamais reproduire. Et s'ils ont un problème au sein d'une famille, ils vont les reprendre. Et ils vont eux-mêmes les replacer. Ces éleveurs-là, il y en a quelques-uns au Québec qui sont assez passionnés pour offrir ce service-là. Et honnêtement, si c'était que de ça, il n'y aurait pas 500 000 euthanasies au Québec par année, là. Ça c'est sûr. Alors, de là l'importance d'aller chez un éleveur. Et on entend souvent parler, par contre, de consanguinité. Ouais. Et tu semblais dire, Audrey, que ça en prend un peu dans une certaine mesure. Bien, hélas, oui, parce que ce qu'on veut créer au niveau d'une race, c'est quelque chose qui se ressemble un petit peu tout le temps. Donc, ça nous prend les mêmes types de traits. Oui. Donc, on veut un certain... Dans le fond, le mieux, c'est de trouver l'équilibre entre la consanguinité, malheureusement, qui nous permet d'avoir une homogénéité au sein de la race, mais juste en bas du seuil que ça crée des problèmes physiques et comportementaux. Donc, il y a... Un très faible pourcentage. Un ouais. très faible oui, pourcentage oui. qui doit être oui, pris oui. en compte quand même oui, lorsqu'on oui. est un éleveur. Oui. Et bon, là, il y a encore une fois les questions d'esthétique aussi qui embarquent là-dedans, mais là, c'est sûr, parce que certaines races, par exemple, avec les queues coupées, les oreilles coupées aussi, ça se voit de moins en moins, mais à une certaine époque, l'esthétique pouvait être très importante, là, très importante dans certaines races. Bien, c'est quand même tout récent hein, que l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec a pris position en janvier 2017 d'abolir ces pratiques-là. Entre autres parce que le discours premier qui est dur, en fait, pour les éleveurs, c'est que, au final, les risques arrivent vraiment, une problématique au niveau de l'animal sont assez minces. Pour les éleveurs, par contre, puisqu'ils sont souvent très dans le domaine, pour eux, c'est vraiment de changer là, toute l'histoire du chien, toute l'historique derrière. Donc, c'est sûr que c'est des discours qui sont un petit peu chauds oui, à tenir. Oui, c'est ça, à tenir ouais. présentement, mais quand même, ça fait partie de la réalité de certaines races et de oui. la réalité avec laquelle doivent composer maintenant certains éleveurs aussi. Oui. Alors, voilà, c'est ce qui complète un peu le sujet. On aurait pu en parler encore fort longuement oui. parce qu'on s'entend que les races, il y en a beaucoup à dire. Oui. Par contre, beaucoup d'informations qui vous ont été livrées aujourd'hui lors de l'émission. Si vous voulez avoir plus de détails, notamment sur les différentes races qui ont été abordées, les différents groupes de races, aussi sur les sites Internet dont Audrey vous a parlé, eh bien, vous vous rendez au pensebête.tv. On aura l'occasion de vous placer tout ça en lien pour que vous puissiez aller faire vos petites recherches de vous-même à la maison. Alors là-dessus, on se laisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui et on se retrouve à une prochaine fois. Bye-bye!